rien à voir avec le nombre d'années de foi. C'est vrai aussi, il y a une réalité, c'est que la foi varie dans la vie des uns et des autres. Hein, même la maturité spirituelle. On n'a pas le même niveau de maturité spirituelle ou de compréhension, de discernement, de perception des choses de Dieu. Il y a des exemples dans la Bible, comme je prends l'exemple de Samuel qui dormait dans le temple. C'était du temps où Élie était. Il y a deux Élie dans la Bible. Élie le sacrificateur. Je parle d'Élie le sacrificateur, le prophète. Et Dieu se révélait à ce jeune Samuel. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait parce qu'il était jeune, donc il n'avait pas la capacité, il ne discernait pas encore la voix de Dieu. Amen. Donc ça s'apprend, c'est une école. Amen. Alléluia. C'est une école. Donc nous sommes dans l'école de Dieu. Et peu importe ce que nous sommes, Dieu se sert de nous. Alléluia. Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu nous a donné pour adorer Dieu. Hein? Et quand on parle d'adorer le Seigneur, c'est tout. Hein? Ça rentre aussi dans le service, l'exercice, des dons au sein de la communauté. Donc, il est dit aussi dans le livre de Luc, le Seigneur va dire, la moisson est grande, oui, Luc 10, 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson. Vous priez le Seigneur de la moisson. La moisson, ça symbolise, c'est le champ de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous sommes l'œuvre de Dieu, chers frères. Nous travaillons pour le royaume des cieux. Et Dieu donne des habiletés. Donc, c'est notre responsabilité aussi de prier pour que Dieu puisse lever les ministères. Pour que Dieu pousse. Il est parlé de pousser. Pour que Dieu pousse les ministères. En fait, qu'il lève les ministères dans son champ. Il n'est pas question de pousser les gens dans la chair. Hein? Je m'adresse un peu aux familles. Quelquefois, on veut pousser nos enfants dans les choses de Dieu. Ça, il faut éviter ça. Laissons l'Esprit de Dieu les saisir. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Je crois que nous avons plus à travailler dans le jeûne et dans la prière pour que les forteresses, chers frères, les murs qui les empêchent de se donner au Seigneur puissent s'écrouler. Et ça devient facile quand la personne est portée par l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de lui dire il faut qu'on aille dans. Il faut qu'on aille communier avec les frères. Ouais, ça devient naturel. Hein? On ne va pas forcer cette personne à lire les Écritures. Ne forcez pas vos enfants. Ce n'est pas en faisant une activité, même au milieu de l'heure, qui veut dire que l'enfant est consacré à Dieu. La consécration que Dieu recherche, c'est celle des cœurs. Alléluia. C'est les cœurs qui doivent être consacrés au Seigneur. Alléluia. Laissez le Seigneur faire l'œuvre. Alléluia. Et il fait toutes bonnes choses en son temps. Ne poussez personne, ne pousse personne. On ne fait ce barrage à personne. La parole est libre. Si tu ressens, si l'Esprit de Dieu met. Si tu reçois une injonction de l'Esprit, exprime-le. Lève-toi. Si Dieu te met à cœur de prier peut-être pour quelqu'un, ben, il faut le faire. Alléluia. Il n'y a pas des gens qui ont qui sont mandatés uniquement pour prier sur les gens pour non, alléluia. Le Seigneur peut se servir de qui il veut au milieu de nous. Vraiment, soyons sensibles à la voix de l'Esprit et que tout se passe dans l'ordre. Même quand nous prions, s'il y a une voix qui se lève, il faut que les autres se taisent, qu'ils arrêtent de chanter, qu'on soit à même de dire amen à la prière. Alléluia. Amen. Voilà. Donc que nous nous sentons concernés. Il n'y a pas de, je sais pas, de conducteur de louange. On se laisse inspirer. Si Dieu te met un chant, ben voilà, donc exprime-le et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà. Que Dieu nous bénisse ce matin et puis qu'il nous conduise dans toute la vérité. À lui soit toute la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour ton action qui est puissante, Seigneur Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, expérimenter ton amour ce matin, Seigneur, milieu de nous. Nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre, Seigneur Dieu Père. Nous voulons voir, Seigneur, ton action. Seigneur, mon Dieu, mon Père, être au milieu de nous, le peuple fort. Seigneur, renverse ce matin les œuvres des ténèbres. Renverse les raisonnements, Seigneur Dieu Père. Que tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair au milieu de nous dans ce lieu, Seigneur, soit renversé dans le nom de Jésus. Nous nous opposons, Seigneur, à Satan, Seigneur Dieu. Nous nous opposons au démon, Seigneur. Je prends l'autorité sur le prince des ténèbres, Seigneur, de ce quartier. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de Haut-de-Bassan, Seigneur. Je veux prendre autorité sur le prince des ténèbres de Montpellier, Seigneur Dieu Père. Nous chassons cet esprit maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de te révéler encore. Seigneur, ce matin, au milieu de nous, Seigneur, inspire la louange, inspire l'adoration. Seigneur,
des interventions, que tout soit fait, Seigneur, pour élever un seul nom. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu Père. Rassure-nous, libère les bien-aimés de la peur, Seigneur Dieu Père. La timidité, Seigneur. Libère les bien-aimés de la timidité ce matin, Seigneur. Et que toute volonté, Seigneur, soit ramenée à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Yeah.